Générique. Thème du jour, recherche d'une date dans un texte. Pour ce faire, on va utiliser les expressions régulières. Une expression régulière, c'est une syntaxe qui permet de déterminer un motif que l'on recherchera dans un texte. Dans cette capsule, nous allons rechercher des motifs de ce type-là, donc des dates. Alors, c'est un cas particulier de date, bien entendu. Mais on ne fera pas l'effort, parce que ça va être extrêmement complexe, d'éviter des dates de ce type-là, le 58 mai. Donc, il faudrait imposer que les jours soient inférieurs à 31. Sauf que il y a des mois à 30 jours, il y a des mois à 31 jours, il y a des mois à 28 jours, il y a des mois à 29 jours. Donc, en fait, ça serait beaucoup plus compliqué. Ce n'est pas l'objet de cette capsule. Pour utiliser les expressions régulières sous Python, on va utiliser le module qui s'appelle RE, comme regex, c'est-à-dire regular expression, qui veut dire expression régulière en anglais. Et la chaîne de caractères dont on va chercher les motifs de date est celle-ci, naître le ou le est plus compliqué que le ou le, voire le. Alors, il faut donc que j'exécute toutes les lignes de cette cellule afin d'importer le module RE et d'initialiser la chaîne de caractères. Donc là, vous allez voir votre première, pour certains d'entre vous, expression régulière qui est celle-ci. Donc ça paraît éminemment complexe, on va la décortiquer celle-là. Ce signe signifie, alors D, ça veut dire digit, c'est-à-dire que je souhaite dans un premier temps avoir un chiffre. Et en fait, alors un chiffre, c'est les 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Et ceci, là, entre accolades, 1,2 entre accolades, ça veut dire que je veux un ou deux chiffres. Alors en fait, l'idée, c'est de pouvoir avoir des jours de ce type-là, 10, 11, 28, etc., mais aussi de ce type-là, si on est dans les 9 premiers jours du mois. Donc ça, ça me permet de matcher, c'est le terme consacré, de matcher à la fois ceci et cela. Ensuite, je veux un slash dans ce type de format de date, puis à nouveau un chiffre, un ou deux chiffres, c'est le même code ici, à nouveau un deuxième slash, et après pour l'année, donc je veux un chiffre, mais quatre fois. Alors là, c'est pareil, suivant les contextes de l'utilisation de ce type d'expression régulière, peut-être que ça ne serait pas judicieux de repérer des dates de ce type-là qui ne se sont pas encore déroulées. Ou alors, suivant le contexte, une nouvelle fois, ça peut être des dates proches, mais 2081, c'est peut-être trop éloigné. Alors, ça, c'est super important. J'ai mis un espace ici. C'est pour être sûr, par exemple, on va tester cette chaîne de caractères dans la cellule suivante. On va la tester avec un point ici. Et donc, si je ne mettais pas d'espace, ce qu'on vérifiera après, eh ben, ça ne me permettrait pas de trouver la dernière date. Voilà. On finit de décortiquer la ligne 4. Alors, all, ça va être en fait la liste des résultats qui matchent. J'utilise la fonction findAll du module RE qui va me trouver toutes les dates qui sont au format qu'on a indiqué précédemment dans la chaîne qui est donnée en deuxième argument de la fonction findAll. Puis après, on va boucler sur la liste pour qu'elle nous dresse toutes les dates qui vont fonctionner. Alors, on va l'exécuter. Alors, petite explication. Donc, celle-là, elle n'est pas donnée parce que... Alors, pas tant parce qu'il y a 5 chiffres. Parce que là, avec les 4 chiffres, je pourrais avoir 1915. Mais parce qu'il n'y a pas d'espace après, le quatrième chiffre. C'est surtout pour cette raison-là. Je ne matche pas
si je matche le 58 mai, enfin 58 mai si je puis dire, 1845, je match cette date-là qui colle, je match cette date-là qui colle en 2081, je ne sais pas si ça m'intéresse ou pas, et je match également celle-là parce que j'ai bien pensé mettre un espace ici. Ceci dit, si je ne mets pas d'espace et que je maintiens la même expression régulière, donc là, vous voyez, je n'ai pas changé grand-chose dans cette chaîne de caractères, uniquement le point à la place de l'espace qui est ici. Je fais tourner la cellule et effectivement, je ne matche pas la dernière date à cause du point, il n'y a pas d'espace. Voilà, générique.